Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur comment faire un brassier. Donc là c'est pas tout à fait le même que les autres, donc là c'est une idée que j'ai eue. Donc je vais vous y montrer. Et là comme modèle, enfin comme modèle, comme couleur, vous pouvez en choisir deux, comme ça c'est facile pour vous repérer. Donc là je vais vous montrer comme ça donne, et ça donne comme ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas comme d'habitude au niveau du bracelet, parce que d'habitude c'est comme là. Donc là c'est pas pareil, et là on voit que ça passe au niveau du pouce ici là, que les autres ça y passe pas du tout. Donc je vais vous montrer comment y faire. Comme matériel, il vous faut toujours ceci, matériel principal. Ensuite il vous faut le crochet. Donc sur cette vidéo là, ce sera des élastiques noirs avec des élastiques blancs. Donc après vous pouvez choisir d'autres élastiques, vous pouvez choisir 3 ou 4, enfin comme vous le voulez. Donc en premier, donc c'est toujours prendre un élastique, toujours un par un. Il faut pas en prendre plus. Il faut pas en prendre non plus deux par deux. Donc voilà. Donc toujours commencer pour prendre un élastique et le creuser. Voilà. Bien y descendre. Donc voilà, faut qu'il y ait toujours trois épaisseurs. Faut que ce soit toujours comme ça. Comme ça, après vous pouvez prendre le dernier pour le passer par-dessus. Voilà. Bon, là, je l'ai pas fait. Donc voilà, c'est pour juste vous montrer. Et après, comme ça. Voilà, faut que ça soit toujours comme là. Si à un moment donné, si vous arrivez que vous en avez les trois, comme là, si par exemple je mets un élastique par-dessus, que là vous vous retrouvez avec 4 au lieu de 3, vous avez pas oublié de passer un élastique par-dessus. Par exemple, si d'un côté vous vous retrouvez avec 1, ça veut dire que vous en avez passé un élastique comme ça, là, de trop. Donc du coup, c'est pas bon. Une fois que vous avez passé l'élastique de dessous par-dessus, vous en rajoutez un autre. Et toujours prendre le tout dernier pour le mettre par-dessus. Et en faisant comme ça, ainsi de suite. Et au bout d'un, donc voilà, au bout d'un moment, vous voyez que ça commence à faire le bracelet. Et quand vous avez continué, ça donne ici. Donc après, vous continuez pour que ça aille quand même à votre poignet, vous essayez jusqu'à ce que ça vous aille. Donc là, je vais continuer un peu plus. Donc voilà, moi, j'ai fini la longueur. Donc, vous devez vous poser la question, comment on fait pour savoir si c'est la bonne longueur ou pas. Donc déjà, faut prendre comme si c'était un bracelet, donc vous mesurez. Donc voilà. Après, faut passer au pouce. Donc voilà. Bon, après, il faut compter quand même un peu de marge pour que ça puisse descendre là. Et de l'autre côté, ici. Donc, après,
je vais vous montrer comment attacher justement ces deux bouts. Donc, toujours prendre le dernier pour passer par-dessus. Donc pour moi, le noir. Voilà. Après, prendre le clip, mettre là-dedans, dans un bout du clip. L'autre bout du clip, là et là. Donc, ensuite, quand c'est attaché comme ça, donc après, il faut faire la même chose pour justement faire ça. Donc c'est la même forme et tout, c'est le même principe. Donc après, vous y accrochez à un endroit. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire ce petit bout, plus comment l'attacher. Donc il faut toujours prendre un élastique et le croiser. Voilà, toujours bien descendre. Et rappelez-vous qu'il en faut toujours 3 élastiques niveau hauteur. Voilà. Après, toujours le même système. Donc là, prendre le violet pour le passer par-dessus. Voilà, descendre. Remettre un élastique. Le noir là, le prendre et le passer par-dessus. D'un côté et de l'autre. Ce que vous faites d'un côté, il faut toujours le faire de l'autre côté. Donc, voilà. Et moi, comme ça, j'utilise 19 élastiques pour la petite partie que je fais. Donc, voilà. Une fois que vous avez mis vos 19 élastiques là, c'est toujours le même principe. Donc, maintenant, on va attacher pour pas que ça se détache. Donc là, quand il vous en reste 2, autrement dit, la couleur que j'ai, c'est le noir à faire passer sur le blanc. Et ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Voilà. Donc, les deux bouts d'élastique, donc là c'est le même, mais c'est le blanc. Je vais mettre sur un bout du crochet, enfin du clip. Hein. Donc je vais le faire et puis ça donne ceci. Donc voilà. Après, donc comme vous voyez, là il y a un clip. Donc du coup, on va l'accrocher sur le bracelet. Donc voilà. Moi, le clip qui est là, mais plutôt ici à peu près au pouce, comme ça au moins c'est beaucoup plus simple. Donc pour cela, voilà, mettre à peu près en place pour après pouvoir mettre le petit bout qu'on vient de faire justement sur le bracelet ici. Voilà. Donc comment j'accrochais, du coup j'ai pris les deux bouts d'élastique noir et je mets dans l'autre bout du clip, ce qui donne ça. Du coup, je viens de recompter. Je le donne avoir 19 et il en faut 20. Bon, là-dessus, il en faut 19, mais le dernier, ça pour accrocher ce bout, l'autre bout du bracelet. Donc, l'élastique violet, j'ai mis sur le crochet. On voit que le reste du bracelet est là. Donc, je vais prendre l'élastique, mettre au bout du crochet,
pouvoir après mettre l'élastique violet sur l'élastique que je viens de mettre. Et puis, juste avant que je continue, c'est une déposition de mon chat. Des fois, il est un peu bizarre. Donc, voilà l'élastique que j'ai mis. On vient. Même l'inverse que j'ai fait qui est là. Donc, là, on va choisir la distance. On va dire que ça va être à peu près par là, comme ça. Donc, dans ce cas-là, c'est quand vous avez choisi la bonne dimension, vous pouvez essayer. Si vous avez un bout d'élastique, ce qui file de l'élastique, hein, pour après faire comme ça. Et ne pas se tromper au niveau de l'élastique. Voilà. Après, vous vous mettez de côté, mettre là. Voilà. Après, ça fait comme ceci. Donc là, on va mettre un clip. Donc, la moitié d'un côté du clip, l'autre moitié de l'autre côté du clip. Ce qui donne ceci. Voilà. Après, vous essayez. Si ça vous va, tant mieux. Si ça ne va pas, ben, vous déplacez juste le petit bout qu'on a rajouté. Donc, voilà. Comment reconnaître le petit bout qu'on a mis? Donc là, vous voyez qu'il y a un clip qui est à peu près au milieu. Donc ça veut dire que c'est pas lui, mais l'autre. C'est-à-dire celui-là. C'est le moyen pour pas vous tromper. Après, comment le mettre? Donc le petit bout qu'on a fait, il est là. Voilà. Donc là, comme vous voyez, c'est quand même grand. Donc là, on met des élastiques. On va juste les enlever ici. Okay. Donc voilà. Donc voilà, maintenant la vidéo est finie. Donc si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me dire. Bon là, j'ai pris une personne de plus en abonné, ce qui m'en fait que 3. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Donc ma prochaine vidéo, c'est comment faire une lettre. Donc la lettre que j'ai choisie, c'est le K. Voilà. Donc, ça sera ma prochaine vidéo, donc comment y faire. Après, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas quand même, parce que voilà, j'en ai quand même à peu près assez régulièrement. Donc, bon, voilà, je vais quand même peut-être éviter, si je peux, pas mettre de vidéos, genre, pendant un mois. Parce que, il y en a peut-être qui croient après que je mets plus de vidéos et tout, donc voilà. J'en ai quand même à peu près assez régulièrement comme je peux. Donc maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Aimer, partager et commenter la vidéo.